Et ça y est, voilà le soleil. Il est 6 h du matin. Alors moi, je comprends pas pourquoi je suis toujours aussi matinal, mais bon, en même temps, ça me permet de profiter de ces instants-là. Lever de soleil, début de journée sur Palau, Sardaigne. La première rotation va commencer. Et Palau va se réveiller. Hier soir, j'ai passé la soirée là, dans la trattoria, très sympathique, tenue par deux dames très charmantes et très gentilles surtout. Vraiment l'établissement des Italiens pour les Italiens. Il y avait les jeunes du chantier, sûrement les jeunes des bateaux de visite. Enfin, et là, cette petite zone de mouillage, bon, aménagée avec les bouées, hein. Mais moi, bon, je me suis mis sur l'ancre. Et jusque-là, ben, ça s'est bien passé. J'ai pas été dérangé. On est bien. Oui. On recommence. Bon, à Palau, au mouillage, toujours. Je suis allé faire des courses ce matin, notamment chercher un magasin d'accastillage. Alors j'étais un peu sceptique. Hier j'y croyais, ce matin, bon, après avoir fait mon petit tour hier soir. Et puis finalement, j'ai demandé un petit peu et on m'a indiqué un magasin. Écoute, quand tu passes sur le trottoir, tu as l'impression qu'on vend que des chanclettes, des matelas gonflables ou des raquettes de plage pour les gamins. Tu rentres, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est immense, c'est super bien achalandé. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Mais ça, on verra plus tard. Et notamment mon anode. Alors l'anode, ben, c'est ça. Parce que comme je le disais hier, là, en nageant autour du bateau plongeant, j'ai vu que ben, j'avais perdu l'anode. Or ça va où? Ben, ça va au bout de l'arbre d'hélice. Ça, c'est l'hélice. Le moteur est là-bas. L'arbre, l'hélice. Et au bout, on met ça. Et ça, c'est ce qui se corrode avant tout le métal du bateau. C'est d'une composition métal. Je sais pas trop quoi, mais voilà. Alors moi, heureusement, et ça se corrode quoi. Moi, heureusement, j'avais pris l'habitude d'en mettre une en forme de bague autour de l'arbre. Elle y est toujours, et donc elle fait son office. Mais celle-ci, elle est partie. Alors pourquoi est-elle partie? Mystère. Bon, maintenant, je plonge, je vais la changer. Voilà, j'ai préparé. Alors dans la poche gauche, l'anode. Dans la poche droite, la clé Allen et la vis, et il n'y a plus qu'à plonger. Bon, voilà, on quitte Palau. Bon, qui somme toute, c'est avéré une étape toute sympathique et charmante. Et on y trouve de tout. À recommander, Palau. Voilà. Escale technique pour de l'avitaillement et pour ce magnifique magasin d'accastillage. Vraiment très très bien achalandé. Et nous, eh bien, on va descendre là, dans le bras des îles, à la recherche d'un beau mouillage. Voilà. On va peut-être pas faire 32 000 nautiques encore aujourd'hui. Hein. On va aller rechercher un petit mouillage nautique, un petit mouillage sympathique. Ah, j'ai oublié l'échelle. Vite. La forme du rocher là-haut, là. À gauche de la cuvette. Ah, c'est vraiment très joli ici. Thank you.
Alors ici, en fait, on est un peu comme dans un lac. Le passage est par là. Mais où que l'on regarde, on voit la terre. Alors là, en face, nous, ce sont les îles Madeleine. Là, en face, il y a un pont, ça passe pas. C'est le pont qui relie les deux faces, les deux îles. Derrière nous, là, ben, c'est de là où l'on vient. Et devant, c'est là où l'on va. Il y a de la terre partout. Un peu comme si on était sur un lac. Et alors, c'est vraiment le royaume de la voile, parce qu'il y a des voiliers. Bon, il y a beaucoup de pneumatiques semi-rigides. Bon, ça, c'est les locks. Mais il y a beaucoup de voiliers quand même, c'est vachement agréable. Et où sommes-nous? Ben voilà. Nous sommes partis de Palo tout à l'heure. Et on va aller là, golfe de Salines. Voilà. Et ce qu'on voyait, ben c'est donc tout ça, quoi. Voilà. Les îles dans notre dos. Le fond du golfe là, en face. Et la sortie est par là. Pour aller en Sud-Sardaigne. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, voilà, ça c'est la Corse, hein. Et ça c'est la Sardaigne. Genoux à seul, il marche à 4 nœuds 8. Bon, il y a 19 nœuds, quoi. Ouais. C'est sous genoux à seul. La barre tient toute seule, hein. En mer plate, c'est nickel. Bon, on va aller mouiller là-bas, nous vers le Cata. Il y a deux plages sympathiques. Sans parasol. Là, il y a des plages avec parasol. Là-bas, il y a des plages sans parasol. Aujourd'hui, on a fait 10 fois moins de distance que hier. 3006. On va pas être trop mal ici. C'est bon.
cette émission, vous l'avez dit, c'est très nombreuse. Ce qui vous a poussé aussi dans cette aventure photographique, c'est le désir d'être en oubli. Qui montre un petit peu qu'on aura des vidéos par garde. Mimétisme total et tout. Non. Moi, je voulais fuir à tout prix là où j'étais en fait. Moi, ça a toujours été ça qui a guidé mon truc. Je cherchais des portes de sortie, des trappes, des passages de photographie.